bonjour et bienvenue à la section DLC de arcadequebec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute. Oh yeah. Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Aujourd'hui, on va enregistrer le podcast numéro 298. Ça, les gars, là, c'est 2 avant 300, ça. Ouais, on pensait peut-être même pas faire une année après le premier podcast. Yes. On s'est dit, ouais, c'est mauvais. Hein. C'est tough, puis c'est mauvais. C'est tough à enregistrer. Mais là, ça veut-tu dire qu'il faut faire ça comme le film 300, donc un podcast torse nu avec des jupes d'hommes? Je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus si on fait ça torse nu, surtout. T'as quand même une face de grec avec ta barbe. Pis t'es, Moi, j'ai une face de grec, de, mettons, tu sais, genre musulman, même amérindien, Amérique du Sud. Que tu as envoyé la semaine passée que j'avais pas vu avant aujourd'hui, puis je trouvais que tu avais le toupette de Xavier Dolan. C'est vrai, hein, quand j'avais cheveux longs, j'étais exagéré. Ouais, t'as même un petit look de réalisateur indépendant. Parce que oui, auditeur, j'envoie des photos de moi en chess au gars d'Arcade Québec, et oui, ça arrive, Il y avait des nipples et un toupette. Yes, donc ça se présente, ça se montre pas sur Twitch, mais quand même. Ouais, mais ça a changé sur Twitch. Faudrait rechecker les règles, là, mais c'est pas. Ah, mais si on met des petits X noirs. Là. Ouais, même pas. Parce que. Ben, avec l'affaire de filles qui se montent un peu. Ouais, c'est. Puis j'ai vu un gars qui a streamé pendant, 10 jours en ligne. Puis il se streamait pendant qu'il dormait. Il faisait un sub-bouton. Puis ben, quand il se levait le matin, c'était en bobette. Il allait prendre sa douche, il tassait la caméra, puis c'est tout, mais tu sais, il jouait à Louis XIX, roi des anges. C'est ce que je disais, il a fait Louis XIX, là, fait que, de toute évidence, les règles ont changé, puis c'était un Twitcher très très connu, écoute, il y avait quoi, un genre de 15 000 personnes qui regardaient ça live, là. Pensez-vous, les gars, que ça va dénaturer un peu Twitch, l'affaire, justement, de spa, là, de, tu sais, je sais pas si c'est Guillaume. C'est complètement stupide. Nouvelle catégorie? Les nouvelles catégories. C'est dans le Just Chatting, mais là, je sais pas s'ils en ont fait une autre section. Mais oui, des filles en bikini. Ah, mais t'as des gars aussi qui le font. Ben oui. Avec des genres de grosses saucisses gonflables. En fait, c'est un spa. C'est une affaire d'enfants gonflables qui mettent dans le salon. Oh, oui, carrément. Puis là, c'est genre. Si tu me donnes 20$, je vais écrire ton nom sur ma poitrine. C'est ça, c'est comme. Mais je comprends pas, honnêtement, je comprends les filles qui le font, ou même les gars qui le font, peu importe, tu sais, parce qu'ils ramassent de l'argent comme de l'eau, là. Ben, ça dépend, il y a du monde qui ont des pires shapes que nous autres qui le font aussi. Oui, non, je comprends, mais je veux dire, qui leur donne de l'argent? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que t'espères? Je veux dire, c'est-tu le phénomène de genre Girls Next Door, là, tu sais, qu'elle existe, mais. Non, mais si on était réellement intéressant, ça nous arriverait, puis on pourrait le faire. Non, c'est sûr. Donc, je vais lancer un challenge. Là, si vous me donnez 20 subs, je vais écrire votre nom sur mon front. C'est quoi, tu sais, ça? Moi, je regardais ça, là, puis j'étais comme, OK, bravo de le faire, parce qu'honnêtement, il ramasse de l'argent, puis c'est correct, là. Mais je me posais la question, honnêtement, est-ce que c'est d'abuser des gens plus faibles de faire ça? Tu sais, c'est une genre de forme de malhonnêteté? Que ce soit Twitch, site porno, OnlyFans. Ouais. Non, c'est vrai. C'est la même affaire, là. On dit dans le chat, les masturbains, je cherchais le terme anglais que les gens utilisent, c'est simps. Ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs descriptions, mais c'est a man who put the hose before the bros. Donc, quelqu'un qui est beaucoup trop gentil envers la jambe féminine. Ouais, c'est ça, en général. Ce que Stéphane, ton frère François appelait des croque-pénis. Ouais, un croque-pénis. Ça, un masturbain, un croque-pénis. C'est toute la même chose. Là, c'est non, ça, c'est le simp. La définition française de simp, c'est croque-pénis. Croque-pénis, oui, c'est ça, exactement. Non, à Beauport, on appelle ça comme ça, mais on se comprend. C'est ça. Mais c'est louche. Allez voir ça pour le vrai. Mais s'il vous plaît, donnez pas d'argent. En tout cas, je veux dire, vous donnez-en si vous en voulez, là, si vous voulez, mais... Parce que si tu payes 20$ pour donner, je sais pas c'est combien, mais pour écrire un nom sur une poitrine, je veux dire... Prends 20$, va aux danseuses, tu vas en avoir un petit peu plus ton argent. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on dirait que c'est justement ces gens-là qui comprennent pas qu'il y a d'autres types de sites, tu sais, je veux dire, sur lesquels tu peux avoir, comme, t'es sûr. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne font pas que ça. Ils game aussi, des fois, sur leur canot. Non, mais je veux dire, regarde, Jeff, je suis persuadé qu'ils ramassent un petit peu plus d'argent quand t'es en bikini que quand t'as game. Je sais pas, je te dis ça de même, là, mais je présume de ça, là. Mais faudrait demander à son comptable. Oui, effectivement. Ça me fait penser parce que le streamer que j'écoute pratiquement tout le temps. Puis
pendant son fameux saboton, ce qui fait il donnait l'argent à ses modérateurs puis à la charité. Dans les dernières journées de son saboton, parce que je veux dire, tu peux pas juste comme gamer 24 heures de temps. Ouais. Bon, oui, il dort, mais après ça, tu fais quoi? Tu games 15 heures de temps sans voir ta famille, sans rien. Puis il faisait des ce qu'il appelle, tu sais, du real life, là, tu sais. Donc, il partait avec son backpack à batterie, sa webcam, puis il s'en allait faire visiter la Nouvelle-Zélande. Puis, une journée, il est allé acheter un spa. Et deux jours après, il a fait un stream de spa. Wow, malade. Lui-même. D'ailleurs, en passant, j'en ai acheté un. Yes, juste pour ça. Mais j'en ai acheté un spa gonflable dernièrement. Donc, je pourrais me lancer pour ça. Les gars, si vous modifiez un de mes défis, mettons un défi difficile là, que j'avais dans les défis, pour faire une soirée de moi dans le spa qui ramasse des subs, je le fais. Ben, c'est la queue de singe qu'on peut remplacer par ça. On pourrait remplacer ça par ça et tu on pourrait. Non, mais la queue de singe, non, la queue de singe, je tiens à le faire parce que je veux ramasser de l'argent pour les traumatisés crâniens. Mais ben je ferais mon stream de spa puis je le changerais par le jeu de c'était quoi là le tu sais le jeu avec ça me tente pas de jouer à ça Calis là le jeu de non celui-là je l'ai déjà et tout puis ça me tente de le faire ton jeu de voyons Calis c'est quoi le nom? Ouais c'est ça Dead by Daylight. J'avais dit que ça t'intéressait au je fond. Je le sais, mais là, on dirait que j'ai. Tu sais, quand je la regarde, j'ai plus le goût. Fait que je ferais un stream de spa à la place. Mais comment ça, t'as plus le goût? Mais non, mais j'ai. Ok, t'as un peu. Dans les tous les défis, c'est celui qui m'intéresse le moins. Allons-y comme ça. Donc, je ferais. Non, mais t'es pas obligé de jouer tout seul, là. Il y a plein de monde qui veut jouer avec toi. T'as raison. Mais lequel je pourrais modifier d'autre? Faudrait faire voter. Ouais. Non, la queue de la queue de singe, je veux le faire. Non, mais fais les deux combines! Commence le défi queue de singe spa comme un blitz de donation. Puis surf le reste des donations. Regarde, je vais penser à ça. Je vous reviens avec ça pour le 300e. OK, dans deux semaines, je vous reviens avec une formule complètement redéfinie. Mais oui, ça serait malade que je sois dans le spa. Hein. Puis là, faut que vous soyez là, ma gang de calice, là, les deux. Là. Faut que vous soyez là avec une bière. Vous n'êtes pas obligé d'être en bobette, mais vous allez être là avec une bière. Vous allez me juger. Ma barbe. Comment? En queue de singe. Je suis prêt de trimer la barbe en queue de singe. OK, on fait tout ça le même jour. Ah, ça va être malade, ça va être malade. Good, OK, donc on pense à ça, puis on y revient. Jeff, avant le show, je ne sais pas de quoi on parlait, mais tu nous es arrivé avec quelque chose de... Mais c'est parce que tu dormais, puis tu dis que tu as dormi, puis tu avais eu chaud, puis j'ai dit, il y a même... deux choses que tu peux souhaiter de mauvais à quelqu'un. Ouais, c'est ça. OK, vas-y. Que les deux côtés de son oreiller soient chauds. Ouais, ça, c'est quelque chose de dramatique, oui. Et quand c'est vraiment quelqu'un que tu haïs vraiment, là, c'est qu'il développe des papilles gustatives dans son rectum. Donc, ça c'est le summum de la haine pour toi. Là. C'est genre, c'est ça ouais, que tu souhaites à quelqu'un. Je raccourcis pas sa vie, je souhaite pas de mourir, je souhaite pas d'avoir mal, je souhaite pas d'être malade. Juste qu'il goûte toujours un petit peu le caca. Donc, dans la tête de Jeff, quand il haït vraiment quelqu'un, il se dit j'espère qu'il va développer des papilles gustatives dans son rectum. OK, good. Avant c'est, de... c'est vraiment méchant. Là, c'est arrive, assez là. Méchant, effectivement. Tu sais, c'est pire que de rien goûter. Tu sais, genre, c'est assez pire. Ah, mais il pourrait aller comme entre les deux. Entre l'oreiller chaude tout le temps, ouais. Rien goûter, puis... Non, goûter à la merde, ça doit être pire que rien goûter. Là. Mais dans le fond, je vais en parler avec Mikey G, des Geeks Contre-Attaque, justement. Ne goûte rien. Il ne sent... Je crois qu'il sent rien, mais en tout cas, il goûte rien, ça, c'est sûr. Donc... je vais lui demander s'il aimerait mieux toujours avoir un petit goût de merde dans la bouche ou rien goûter. T'sais. Je vais lui demander ça officiellement. Demain, on enregistre avec les geeks, je vais lui poser la question. S'il peut pas goûter un petit goût de merde, il sait pas c'est quoi, il sait pas c'est quoi la référence. Ben, moi non plus, mais... D'ailleurs, en passant, écoutez la version uncut des Geeks Contre-Attaque. Je vais parler de merde demain, OK? parce que j'ai testé quelque chose en fin de semaine, mais qui a rapport avec les geeks, donc je vais leur laisser l'exclusivité de ma merde. Donc... je reviens de la microbrasserie La Barberie. Donc aujourd'hui, c'était ma dernière journée de travail chez mon employeur actuel et je débute ma nouvelle job officiellement demain. Donc j'ai passé au bureau, justement, qui se situe juste en face de La Barberie pour aller déposer tous mes effets personnels. D'ailleurs, ça fait 15 ans que je travaille là, donc j'étais un petit peu nostalgique et j'ai...
une de mes collègues, une de mes amies, qui m'a demandé justement d'aller prendre une bière avec elle à la barberie. Donc, j'ai dit, bien sûr que non. Hein. Donc, j'ai été avec elle là-bas et j'ai découvert, d'ailleurs, je la remercie, merci Marie-Chantal, pour cette bière offerte. Et j'ai découvert une bière. La bière s'appelle tarte au citron. Ça doit goûter la grosse limonade? Ça goûte un peu la limonade, mais c'est une milkshake IPA sûre. Donc, si vous aimez la bière sûre, IPA, Guillaume, là, je te vois déjà vomir un petit peu dans ta bouche. Là. Ça, je suis rendu moins pire. Ouais. Tu sais, une genre de bière style O'Keefe poche, IPA, ça, oublie ça. Là. Non. Mais tu sais, de quoi que de goûteux comme ça, que la finalité d'IPA, c'est moins pire que juste genre quadruple IPA, j'ai sacré ma poche de gazon. Puis des sables noirs. Puis des scènes noires dans des scènes noires avec des batteries. C'est vrai. C'est comme quand tu lèches une batterie. Tu... Ouais. Et d'ailleurs, j'ai redécouvert la terrasse de la Barberie qui est d'ailleurs à ma... En tout cas, c'est une des plus belles terrasses. Ben, pas juste Québec, du Québec. Je te dis, à Québec, il y en a deux qui sont vraiment très hot. La Barberie puis le Sacrilège. C'est vrai, le Sacrilège, c'est hot en tabarnak. Oh oui, oui, c'est hot. C'est terrasse, tu sais, intérieure, là, dans le Vieux-Québec. Ouais, c'est imbattable. C'est dans une cour intérieure avec des gros arbres. Mmh, tout à fait. Puis l'autre, c'est celle de la Barberie, qui est une grosse terrasse en... En bois, là. En t'es... patio, là, en bois de patio. Oh, oui, non, mais avec vraiment. Avec des gros arbres aussi, là, puis elle est vraiment hot aussi. Et non, c'est vraiment... C'est ces deux places-là, t'as raison. Deux styles différents, mais qui doivent être découvertes, là, à Québec, ça, c'est certain. Et j'ai envoyé une photo à Michael Biaki, là, justement, tu sais, qui est en Europe, tu sais, juste pour lui montrer un peu une belle terrasse comme ça, en attendant ma collègue, là, mon ami qui arrivait. Et il m'a répondu quelque chose comme, tu sais, il y a les beaux dits français. Hein? Il me répond genre, ah oui, tu sais, j'ai dit, hey, c'est la première fois que je vais sur une terrasse depuis. Snack, regarde. J'ai dit, c'est la première fois que je vais sur une terrasse depuis, tu sais, plus qu'un an, là, quelque chose comme ça. Fait que je redécouvre la Barberie, j'étais assez content. Puis là, il me dit, ah ouais, moi, la semaine passée, j'ai été souper au Luxembourg avec une de mes amies, ouais. Tu sais, j'avais comme, je dis, sais-tu comment ça sonne dans ma tête, souper au Luxembourg? C'est comme tellement comme. Jet set européen, c'est tellement malade, genre. Ces gens-là ont une vie complètement débile. Il a fait en bas de 2 heures de TGV, il s'est rendu. Ah oui, direct, c'est ça. Puis le gars, il est proche. Tu sais, imagine la vie que ces gens-là ont, ils réalisent pas, hein. Comment c'est malade mental d'aller au fucking Luxembourg. J'irais là une fois, puis je me frotterais le glace, tous les monuments, tu sais, partout, genre, c'est avru. Excuse-moi, désolé. Ouais, mais quand c'est la 35e fois que tu y vas. C'est vrai, j'avoue que ça doit être moins. Comme n'importe qui, tu dis, moi, je vais à Montréal une fin de semaine, puis je mange la poutine à la banquise, un smoke meat, puis je reviens. Ouais, c'est ça. Ben, le monde qui n'a jamais fait ça, ils doivent capoter, là. Moi, j'imagine que, tu sais, quand nous autres, on va à New York, tu sais, puis que, tu sais, c'est la 13e, 14e fois que tu vas à New York, eux autres, ils font comme, mon Dieu, il a été à New York, tu sais, genre, j'imagine que ça fait le même effet, là. Mais Luxembourg, c'est quand même plus cool que New York. Tu sais, au total, tout, c'est sûr que c'est plus cool. Non? C'est plus cool pour toi parce que c'est plus exotique. Ouais, c'est ça, c'est juste plus exotique. Donc, Michael Biaki est exotique. Que n'importe quelle ville ou pays ailleurs dans le monde. En tout cas, il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver. Good. Donc, j'entame cette tarte au citron de la Barberie. Hein? Si j'étais une langue sale, je dirais on veut des noms. Des noms de quoi? Ben, c'est qui la tarte au citron? La tarte au citron. Donc, j'y vais avec. Ça fait louche pareil. Tu dis à la serveuse, va te prendre une tarte au citron. T'as jamais pris ça comme dessert dans un diner? Prendre la tarte au citron du menu, s'il vous plaît. Heureusement, ça s'appelle. Avec un peu crampoté, puis un café. Heureusement, ça s'appelle pas la tarte au poêle. Good. Donc, on coupe ça. On y va avec le 2,98. Désolé. On a un concept ici! On se prend une microbrasserie, les gars! On sait personne brasser de la bière! On va faire de la vraiment mauvaise bière! Hein. Ok, Arcade Québec n'existe plus! On va se lancer dans la bière avec. Guillaume, c'est quoi ta bière? La bière, c'était la bananus. En fait, on prend toutes les running gags qu'on a eues au cours des années, puis on fait des bières qu'on sait. La Christophe Lambert, nu. Tu sais, j'avoue toujours qu'il y a de quoi de poche. Fait que la tarte. Matt Gosselin en ski de fond dans le bois. Ah, c'est clair. Matt Gosselin en ski de fond, puis qui parle avec, mettons, une femme avec un buste. Comment? La gosse de lin. La gosse de lin, ça serait malade.
C'est mauvais, là. C'est nous autres les masturbants, je pense. C'est nous autres les masturbants, effectivement. En tout cas, l'important, c'est de rire. Le reste, ça vient de ça. Asti, que j'ai chaud, tabarnak. Faites-moi pas rire de même. Je vais me prendre une bonne bad banane. Ah, j'ai fini ma bad bananus. Tu m'amèneras une tarte au poêle. Bière juteuse. Un peu su. Tu m'as en fin de bouche. Elle pique le bout de la langue. Stéphane, il est pété. C'est ça, au lieu d'avoir un wedge de citron ou quoi, c'est une tourbe de poêle. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est une tourbe de l'usine. Tiens, tu... Non, mais c'est ça, tu mets pas du vrai poêle, tu mets du genre. Tu mets du truc de bledine ou de quoi, tu sais. Du poêle synthétique. Du poêle synthétique. Non, mais tu prends du poêle mangeable, tu mets du safran. C'est une bonne bière au safran avec les bouts de safran qui flottent dedans, ça a l'air du poêle. Oh, les stables. Bon, Stéphane, parle de ça. Parce que si tu parles pas ça, on finira pas. Alors voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Yes, tout à fait. Donc ça fait le tour de ce qu'on surveille cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo et ça fait le tour de l'émission de cette semaine. Donc revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 299 qui aura lieu mardi le 15 juin prochain. Donc comme Jeff l'a dit, on fera le tour un peu là, des grosses nouvelles qu'on aura eues pendant ces jours-là. Donc soyez à l'écoute là, vraiment là, en fin de semaine, c'est une grosse fin de semaine au niveau du jeux vidéo. Donc, on vous revient le 15 juin prochain, donc mardi prochain, pour faire le tour de tout ça pour vous. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les podcasts les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et baladoquebec.ca. L'émission que vous écoutez est aussi disponible en rediffusion sur CKRL, donc les ondes FM de Québec, donc CKRL 89.1. Donc tout ce que vous avez à faire pour écouter le tout avec un petit peu de musique, allez simplement sur la page de CKRL, faites une recherche avec Arcade Québec ou allez sur Google, écrivez CKRL et Arcade Québec. Vous allez tomber sur la page et vous pourrez écouter et télécharger le tout. Les trois dernières émissions sont disponibles sur le tout. Sinon, bien sûr, on a différents réseaux sociaux. Donc, Facebook, je viens de le dire tantôt, donc c'est facebook.com/arcadequebec. Sur Twitter, c'est au commercial Arcade QC. Et pour les plus vieux d'entre vous, et Stéphane Gagnon du podcast Player s'est déclaré un des vieux parce qu'il m'a écrit en privé pour me dire « Je suis un vieux, donc je vais t'écrire par courriel. » Il est assez drôle. Donc, le courriel d'Arcade Québec, c'est arcadeqc@gmail.com pour nous écrire. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles concernant le jeu vidéo. Merci beaucoup. Salut. J'ai oublié de vous saluer, les gars. D'habitude, je le fais. Hein? Donc, merci, les gars, d'avoir été avec moi cette semaine encore une fois. Mais vous le remarquez même pas. Donc, je vais arrêter de le dire, Resti. C'est ça. Good. C'est ce qu'on dit. Good, good, good. Hey, Guillaume, je t'avais promis un podcast court. Finalement, ça a été un podcast long. Ben, moi, ben, oui. Normal. On s'est tout étiré. On s'est étiré solidement avec de la tarte au poêle. Donc, on va y aller avec... on va couper ça. Donc, on va remercier les auditeurs qui étaient là live avec nous. Merci beaucoup. Revenez-nous la semaine prochaine. Good, salut.